Nouvelle façon de réserver une salle dans l'agenda Google. Alors, pour ça, vous allez aller depuis, par exemple, votre compte mail sur l'agenda. Une fois que vous avez ouvert l'agenda, vous allez créer un créneau, par exemple ici. Et puis, lorsque vous êtes dans cette page ici, vous cherchez l'onglet qui s'appelle salle. Selon le terminal sur lequel vous êtes, il peut s'afficher, par exemple, par ici. Donc, cherchez bien où est-ce que sont les salles. Ensuite, vous avez normalement les salles de l'établissement qui vont s'afficher et vous pouvez aller les réserver. Et s'il s'agit par exemple d'un matériel, comme par exemple la salle informatique ou bien une valise par exemple, eh bien vous cliquez dessus. Et donc ça va s'ajouter à votre créneau. Donc là on voit bien que c'est coché. Et si je lui donne un titre que j'enregistre, eh bien il y a bien écrit ici. La valise iPad. Alors là, vous voyez qu'il y a un deuxième créneau qui s'est mis. C'est le créneau, en fait, du calendrier de cette fameuse valise. Donc, pourquoi? Parce que moi, ici, j'affiche le calendrier de valise iPad. Si je le décoche, vous voyez que ça disparaît. Si je le recoche, eh bien, c'est présent. Alors, comment je fais justement pour pouvoir visualiser ce calendrier? Bah, tout simplement, je vais donc descendre ici sur la gauche pour aller vers Autre agenda. Et dans Autre agenda, je vais cliquer sur le bouton plus. Et ici, je vais faire parcourir les ressources. Et de cette façon, je vais avoir accès en fait à toutes les ressources qui sont présentes dans mon établissement. Et donc, par exemple, l'auditorium, ben, je vais pouvoir cliquer dessus et le faire afficher. Pareil pour les autres ressources, par exemple celle-ci que je n'avais pas, je peux la cocher et je peux ainsi la voir ça apparaître donc dans mon agenda. Tout simplement.